Hola, ¿cómo está? ¿Muy bien? Si, muy bien, mais tout, alors? Ah, la lumière, elle est vraiment belle. Je Qu'est-ce que tu fais suis là? chez mon ami Fred et je me Oh. prépare à faire une belle entrevue inspirante avec lui. Dans quelques minutes, je vous le présente avec joie. Regardez, c'est son havre de paix ici. Quand je suis à Playa del Carmen, un de mes nombreux nids internationaux. Si, regardez comment que c'est beau. Le temps flashé. Magnifique, hein? Et on a les petits cœurs ici dans le El Cielo. Alors, on va parler d'amour aussi. Ciao, tantôt. Hola. Hola. In la cache. Si. Attends, ici, t'es mouillé un peu, là. T'as chaud? Attends. Ah! Est-ce Voyez comment elle me traite? Non, Joke. Parce que moi, j'ai le rôle d'animatrice, Regarde, on me voit en demi. conceptrice, On me voit en demi, ouais. monteur, Maquilleuse. Marieuse. et conceptrice. Harry. Elle est drôle. Moi, je l'aime, Harry. C'est une femme souriante. Attends, mais là, je vais en montrer son Ah! visage. Oups! On a un message. Et voilà. Elle va couper des choses au montage, elle. Elle est vraiment le fun. Non, moi, j'aime ça parce que c'est comme naturel, flow. Plus jamais de problème, toujours le sourire. On nous annule un studio, pas grave. J'ai un site dans ma petite jungle. Le Joule Fait Joule. que, Tout, on tout, tout. revient tantôt, là, on met notre rouge à lèvres. Bonjour tout le monde, ici Cathy à Playa del Carmen, là où il fait chaud, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, et là où le bonheur et la lumière règnent et imprègnent notre vie. Je viens de dire n'importe quoi, mais c'est pas grave, vous le prenez ou vous le prenez pas, qu'est-ce que ça importe? Mais j'en pense que ça flot, ça y va comme ça vient, et puis il faut se laisser aller pour mieux laisser aller. Magnifique. Alors, je vous présente Alexandre Frédéric Joly, Dis Fredo. dit Fredo, ici, même sur ses pages de réseaux sociaux, c'est Fredo. Non, c'est Agile Lounge. Moi, je n'existe pas en tant que personne sur les réseaux sociaux. Je refuse ça. Mais mon équipe de valeureux agents marketing, coach en affaires, m'ont dit que mon petit bébé que j'ai créé en 2016, qui s'appelle Agile Lounge, de le mettre partout. Ben oui, parce qu'ils veulent qu'on rayonne puis qu'on aide les gens à rayonner. C'est ça. Fait que tu t'envoles vers la création et vers qui tu es, un homme. Comment tu t'es décrit tout à l'heure, un aventurier, non, Hey, un c'est bon ça, backpack. j'aime beaucoup ça. Un aventurier digital. Parce qu'on dit tout le temps des digital nomades. Moi, j'étais digital nomade là, avant que ça devienne à la mode. Parce qu'avec ce qu'on vit maintenant collectivement, tout le monde fait du remote work. Je m'excuse, hein, je suis bien franglais. Le français s'est rendu ma quatrième langue maintenant. Fait que je suis en train de le perdre. Je te remercie de me permettre de parler français d'ailleurs, c'est super le fun. Ça me fait plaisir. Alors, c'est remote work. On dit ça, du télétravail peut-être, ou du travail à la maison. Mais c'est ça le problème, c'est parce que. C'est tout le monde est comme un peu rentré là-dedans, on se le cachera pas. Mais moi, j'étais déjà comme ça. Fait que ça n'a rien changé à ma vie. Puis moi, je vois juste du positif. C'est ça. Fait que moi, je me décris, je suis juste moi. Je suis juste moi. Content d'être avec elle. Content d'être ici, au moment présent, carpe diem. Et puis, ben, quand on fait des affaires, c'est sûr qu'on se régimente un peu plus. Mais moi, ça flot parce que je suis agile. C'est ça le mouvement agile. C'est-tu C'est les gens en magnifique? premier. C'est les gens en premier avant les processus et les outils. Mais on va y On revenir. va. Je laisse parler, je laisse s'exprimer, mais d'un autre côté, moi, je vais vous raconter comment j'ai eu le plaisir et l'opportunité de rencontrer Fred ici à Playa del Carmen dans un magnifique petit café au coin de la 8e rue. Et je me suis assise avec lui, puis on a commencé à échanger comme si on s'était toujours connus, parler de spiritualité, parler de la vie en général. Et moi, je me suis dit, je veux l'avoir en entrevue, je veux le présenter aux gens parce que c'est un homme d'affaires depuis plusieurs années, même depuis l'âge de 13 ans, à ce qu'il m'a raconté. Alors, j'aimerais ça que oui, tu nous as parlé de ton entreprise présente Agile Launch. Mais avant ça, tu as comme gravi plusieurs étapes de vie, plusieurs chemins de vie. J'aimerais ça que tu nous en parles, comment ça a commencé, le fait de vouloir créer ces entreprises à partir de l'âge de 13 ans. Je trouve ça intéressant. Ouais. Ben en fait, je ne savais pas que j'étais entrepreneur. Ce que je voulais, moi, c'est la pleine liberté. Assumer vraiment qui j'étais en étant libre. J'avais compris assez rapidement en étant enfant, accompagné d'une belle famille, une belle maman avec
plusieurs beaux papas, mais ça, c'est une autre histoire. Maman était ce qu'elle était, puis je l'ai toujours acceptée comme elle était. Et puis mon papa aussi, qui n'était pas avec nous, mais j'ai eu une très, très belle famille, tout bord, tout côté, et dans les trois niveaux. Et Mais je peux-tu te faire une oui. coupure? Tu as eu une belle famille, donc il y avait une belle harmonie, une belle communication. Je veux dire, pas un respect, mais une acceptation de l'un et de l'autre qui fait en sorte que tu as pu prendre confiance en toi rapidement et très jeune. Exactement. C'était pas. Comment on pourrait dire ça? C'était comme. Tu as parlé d'acceptation, mais c'était plus de l'ouverture d'abord. Parce que l'acceptation, je travaille encore beaucoup là-dessus, moi-même en tout cas. Tu sais, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, c'est important. Mais sa famille, c'était que tout était possible, qu'on devait s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir. Alors, tantôt, on a eu une petite coupure, un problème technique dû à un appel téléphonique. Alors, on parlait d'acceptation, mais tu parlais plus. L'ouverture. Et l'ouverture amène que la famille, la façon qu'on se transmettait les valeurs que j'ai reçues de la famille, c'était l'ouverture, donc tout était possible. Et quand tu grandis dans un environnement de gens qui disent que tout est possible, que tu peux toujours te réaliser au lieu de juste rêver, que quand tu te fais dire, tu te fais pas dire tu rêves en couleur comme une insulte, comme beaucoup de familles québécoises vivaient, puis l'on répondait, c'est bien mieux de rêver en noir et blanc. Non. On rêvait en couleur, puis on réalisait nos rêves. Fait que moi, puis j'ai toujours un désir en moi d'autonomie. C'était important pour moi d'être indépendant. Ça ne veut pas dire qu'on ne collabore pas avec les autres. Mais je me suis toujours dit, j'ai toujours vu le monde au début quand j'étais enfant, jusqu'à l'adolescence, où j'ai commencé à fonder mes premières entreprises parce que moi j'avais besoin d'argent, j'ai une famille modeste. T'sais, ma maman n'était pas super riche, on se débrouillait, mais on venait tous les hivers ici. On arrivait de décembre à mars, ici au Chiapas. Mais ça, c'était grâce au beau papa, Giuseppe. Oui, mais c'était quand même une logistique, c'était quand même. On laissait Montréal 3 mois. Je faisais de l'école à la maison ici, officialisé par un collège dans lequel j'allais. Alors, moi, j'ai toujours vécu comme c'était comme ça. On arrivait ici, on retournait. Je n'ai pas eu quelque chose de standard, de pratique, ce qui rajoute encore plus à l'ouverture, à l'agilité, c'est-à-dire de toujours comprendre que tu es en mouvement constamment. Fait que c'était peut-être juste naturel que moi, je parte des choses comme ça, parce que j'avais Parce ce que la désir-là. façon dont t'as élevé, ça t'a permis d'ouvrir tes ailes parce que tu avais une grande confiance en toi. Exactement, parce qu'on apprenait à se découvrir soi. Dans la famille, c'est important. C'est comme ils disent en anglais, know thyself, and then you will know the universe, qui pourrait se traduire par apprends à te connaître toi-même, tu vas connaître quoi l'univers. Mais l'univers, c'est ce que j'ai vite appris, c'est que tu pouvais en faire ce que tu voulais de l'univers. Et c'est ça qui est génial. Puis là, c'est drôle parce que c'est ce que j'enseigne indirectement à d'autres entrepreneurs, même à des chefs d'entreprise de toute taille. Et puis j'aide des startups à se développer, à réaliser leurs rêves, ça fait. Avec ton entreprise Agile Launch, et ça, c'est partout dans le monde aussi. Je pense à des clients d'un peu partout ou dans différents secteurs du monde. Oui, en fait, sur 3 continents là, que j'arrive à développer ça, principalement en Amérique du Nord, mais c'est génial. Puis on s'en va dans quelque chose de nouveau bientôt. Où est-ce qu'on va dépasser ça? Parce que pour les gens qui connaissent c'est quoi le mouvement agile, ben c'était très, très, très technique avant. C'était très, très au niveau des développements des applications qui nous permettent de faire ça, des trucs d'expérience utilisateur, blablabla. Ça, on rentre en gros matérialiste. Mais là, on l'a déjà il y a 10 ans, on a sorti ça de l'informatique pour l'amener dans l'ensemble de l'organisation ou de la business. Donc, ça touche les gens créatifs au marketing, pas juste les vendeurs, là, les créatifs marketing. Les vendeurs aussi, les gens en relation humaine, que j'appelle ça, ils n'ont pas des ressources. Toi et moi, on n'est pas des ressources, on est des humains qui doivent être en relation dans une organisation. Donc, c'est toutes ces valeurs-là du People First Movement. Hein. Que vous véhiculez dans votre entreprise Agile Je ne Launch. suis pas toute seule. La Gel Lange n'est qu'une parmi tant d'autres. Puis moi, j'embrasse mes compétiteurs. On n'est pas en compétition parce que notre mission, c'est de transformer le monde du travail. D'abord, mais là, c'est ça, là, on est rendu dans une autre étape. C'est que là, on fait sortir ça de l'entreprise, on fait sortir ça de la business, puis on l'amène dans la gouvernance. Hein? Tu sais, je te parlais avec notre ami de gouvernance, bien, nous, on est en plein là-dedans. Comment on décide de s'auto-gouverner aussi, en tant qu'individu, en tant que communauté. Et là. Prendre sa vie en main, c'est bien Oui. important. Et moi, je veux juste continuer par rapport à ton enfance.
tu as eu les bons outils à mettre dans ton coffre à outils pour pouvoir avancer dans ta vie, commencer à comprendre que tu pouvais gagner l'argent par toi-même et créer tes entreprises. Et tu en as eu combien d'entreprises et ce fut quoi ta première entreprise? Juste pour donner une petite idée à ceux qui sont en train de te découvrir actuellement. Ouais, je te dirais que, mon Dieu, depuis une quinzaine d'entreprises, 8 où je me suis cassé la gueule, fêlé total, c'est pas grave. Par contre, j'ai jamais fait faillite. On a toujours arrêté l'aventure. Je dis on parce qu'on était des équipes des fois. Je ne suis pas un solopreneur, moi je suis un entrepreneur, j'ai des équipes, j'ai un advisory board. Ça, c'est très important quand tu veux vraiment te développer, de faire équipe, collaborer. Ça, je parlais d'autonomie tantôt, mais on a le droit de demander de l'aide, c'est important, surtout quand tu fais. Fait que tu sais, 8 sur 15 qu'on a arrêté parce que ça ne servait à rien ou qu'on ne faisait pas d'argent, mais on n'a jamais fait de faillite. On a toujours arrêté au bon moment. Mais n'empêche que dans ce qu'on voulait offrir au monde, on voulait faire mieux, fait qu'on s'est amélioré constamment. C'est ça le but, c'est qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Exact. Parce que faire faillite, c'est ou un échec veut pas dire que tu n'as rien compris ou rien réussi. Au contraire, c'est des expériences que tu as acquises et ça, c'est vraiment une belle expérience. Ouais, mais tu sais, l'échec, c'est pas grave. La faillite, malheureusement, dans le système qu'on est, de monopoly ou tout ça peut être grave. C'est pour ça que des échecs, on les embrasse, puis on a appris nos leçons, puis on n'a pas fait les mêmes choses. Mais tu sais, on a eu 8 échecs sans faillite. C'est quand même bon. Les 7 autres, si je sais compter, là, 7, 7 parce que Agile Land, c'est la 7e aventure, oui. T'arrêtais au bon moment avant de faire faillite. Exactement. Et puis là, on pourrait dire qu'avec la crise actuelle, le Y actuel dans lequel on est collectivement individuel, c'est sûr que ça ne va pas bien, je ne me cacherai pas. Ça va pas bien pour l'entreprise. Moi, je vais très bien parce que je floue avec ça. Et je pivote rapidement. Hein? Puis je pense qu'on aide aussi d'autres gens à pivoter rapidement. Mais c'est sûr que, tu sais, matérialistiquement, l'année 2020 et même 2021, on est rendu à 5 mois, là. On ne fera pas nos chiffres. On ne fera pas nos chiffres pour nos actionnaires, on ne fera pas nos chiffres pour les gens qui ont peut-être investi. Mais on reste là parce qu'on est encore, on a encore besoin de nous. Mais les 4 années, ça fait 4 années que mon dernier bébé, Gélange, est là. C'était dans le vert, tout le temps. Tout le monde était content, mon équipe était contente. Là, cette année, je suis plus revenu au mode start-up. C'est juste ça qui est drôle. Puis moi, je trouve ça drôle parce que je me disais, hey, c'est drôle, on était rendu à maturité. Puis on passait, puis je vais quand même passer à l'autre niveau, malgré que on a moins d'argent de Monopoly pour passer go. Mais pour passer go, oui, mais de notre côté, ce qui se passe actuellement te fait réaliser que tu veux aussi entreprendre d'autres choses, aller trouver un nouveau chemin pour ton entreprise qui peut être mieux que ce que tu as actuellement aussi, je crois. Exactement. C'est la grande réflexion de l'initiation qu'on vit là. Moi, j'appelle ça une initiation. Et de COVID, d'ailleurs, je sais que c'est en anglais, mais j'ai créé quelque chose avec mon équipe. On a brainstormé, puis on s'est dit, il faut quand même pas profiter là, d'une manière, comment je pourrais dire ça, mesquine, mais on s'est dit que dans COVID, c'est en anglais, c'est create your own vision and detail. Hein, ça fait COVID, si vous regardez, parce que c'est là, on l'a pas écrit là. Mais et on s'est dit oui, parce que c'est le moment. On prend tous une pause. Hein, c'était ça au début. Hein, on se frayait pas. On va prendre une pause. On va s'introspecter. Mais qui l'a vraiment fait parmi nous? Excuse, on s'imaginait pas que ça pouvait aller aussi loin au début aussi, là. Exact. Ça se posait juste 2 semaines. Hein? Et là, ça fait 15 mois. Deux semaines, un mois, 28 Exact. jours. Mais puis c'est pas grave. Puis tu sais, moi j'ai envie de dire avec tout l'amour que je peux avoir en ce moment, c'est que les gens qui veulent retourner à la normale, hein, on est en français là, pensez-y comme il faut, norme mal. Pourquoi on pourrait pas bâtir le norme bien maintenant? Ah, mais j'aime ça. Tu sais, Oui, on moi je pourrait veux le norme s'adapter. bien. Alors moi je me dis, je veux pas. Moi de toute façon, j'aimais pas le normal avant. Tu sais, je m'y faisais, je m'y adaptais, on faisait avec les règles du jeu, mais c'est ça, le mouvement agile qui existait en 2001 a toujours voulu disrupter, là, déranger le statu quo. On est des agents de transformation sociale. Puis non, on ne rentre pas dans des trucs politiques de gauche-droite. Nous, c'était, on voyait une pièce de monnaie, on a toujours vu qu'il y avait trois facettes. Il y a la tranche, puis la tranche, c'est la seule qui te fait avancer. On ne veut pas être pelouface, c'est la même pièce. Alors, on s'est dit, ben, le mouvement agile, c'est ça. C'est qu'un. C'est comme le mettre debout, Ouais, puis le puis. faire tourner là, quand ça tourne, C'est ça. la Puis roulette. quand elle tombe, tu regardes pourquoi elle est tombée, puis tu trouves un meilleur chemin. D'ailleurs, le manifeste agile pour faire autrement,
Il sauve avec ça. Si je le traduis en français, c'est découvrons ensemble des nouvelles manières de faire et de créer de la valeur pour une meilleure expérience client. Parce que c'est quand même de la business, là. C'est comme, donc, on parle de servir ses clients le mieux possible. C'est un système de qualité totale. C'était ça qu'on fait. Donc, Agile Launch, c'est ça. C'est supporter, pas supporter, mais accompagner des gens dans des startups, dans différents Entreprise de domaines. toute taille. Entreprise de toute taille. Mais on s'est aussi spécialisé en aidant des startups. Puis notre gamme de prix qu'on fait, le pricing est pas statique, c'est pas un one size fit all. Donc évidemment, les startups, des fois, on faisait même sous engagement de revenus avec une forme d'investissement avec eux, avec un retour sur investissement, tout dépendant de ce qu'il y avait. Petite, moyenne entreprise, même des très petites entreprises. La grande entreprise, on ne les nommera pas ici, ça ne vaut pas la peine, on ne fera pas de pub, mais moi, j'ai touché à tout. Touché à tout, là. J'ai touché à des gros entreprises multinationales, à des gens qui se partaient un nouveau salon de coiffure. Parce que Quand on parle de start-up, d'accompagner les gens, c'est vraiment du début à la fin dans différents domaines, secteurs d'activité. Donc, tu les accompagnes au niveau administratif, ouverture d'entreprise, etc., même au niveau de l'employabilité. Tout de A à Z, tout de A à Z, basé sur ces. Je ne ferai pas ici, mais c'est un ensemble de valeurs et de principes qui est dans le manifeste Agile, qui va aider les entrepreneurs, les décideurs à prendre des décisions à n'importe quel niveau. On peut l'adapter à tout secteur d'entreprise, à toute taille d'entreprise. Même qu'à Ville-la-Salle, on avait accompagné un centre de la petite enfance. Alors, c'est quand les gens qui pensent qu'Agile, c'est juste du développement logiciel, non, on est loin de ça. On est capable de prendre ces valeurs-là, de créer les systèmes adaptés aux besoins de toutes sortes d'industries. Et puis, moi, je trouve ça génial. Puis, ça fait de la transformation. Ça rend les gens heureux. Les gens sont contents de travailler dans un système parce que c'est un système qui t'amène à être beaucoup plus clair, à forcer l'entrepreneur, ou la personne qui décide, au lieu de juste décider, à devenir un leader. D'ailleurs, c'est un de nos programmes, hein, qu'on amène les managers, ceux qui managent, ceux qui gèrent, à devenir des leaders, donc à mieux travailler ensemble avec leur équipe, à mieux les impliquer, c'est ça. C'est le mouvement de ce qu'on appelle il y a de la décentralisation là-dedans, il y a aussi tout le mouvement de comment on appelle ça déjà en français? Ce serait, on libère l'entreprise. J'essaie de traduire ça en français, mais c'est « liberated structure ». On se libère des structures. Ce serait tout ça, ouais. C'est pour ça que l'autogestion est importante. Mais moi, c'était inné pour moi. Moi, quand je suis tombé là-dedans, c'était des ingénieurs qui m'ont dit « Tu veux-tu, on va faire ça comme ça à la place? » Tu connais-tu ça? Je dis, non, je connais pas ça. On l'a fait ensemble. On l'a monté ensemble. T'as appris sur le tas, comme on dit, avec Exactement. des Avec de ingénieurs. l'expérience puis de l'empirisme, exactement. C'est super important. C'est comme ça qu'on l'enseigne aujourd'hui. Et c'est comme ça que toi, tu as développé ton agilité et cette agilité-là que tu as découvert, que tu as travaillé dans tes nombreuses expériences, tu peux en faire profiter tous les gens qui font affaire avec toi. Qui veulent? Parce que c'est sur invitation. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous contactent. Des fois, ils veulent de quoi de très précis. On le fait. On va s'adapter. J'ai dit, pas un one size fit all. Hein, c'est comme le volet crypto agile. On ne va pas imposer un wallet ou une façon de faire. On va regarder les besoins de la personne, où est-ce qu'elle est rendue, puis là, on va lui proposer comment commencer, puis en profiter. Mais ça, c'est pas tout le monde qui sont familiers avec ce domaine-là, les wallets, la crypto-monnaie. Et vous, Agile Launch, vous êtes vraiment habilité à former des gens, à les aider à s'ouvrir leur propre wallet, si on peut dire? En fait, c'est plus de la facilitation. On ne fera pas nécessairement d'entraînement ou de formation, je devrais dire, ni de coaching proprement dit dans le terme de coaching, comme on fait avec nos autres services professionnels. Celui-là, c'est plus de dire, on va te faciliter le truc. Parce que nous, notre but dans tout ce qu'on fait, c'est de rendre les gens autonomes le plus rapidement possible. Moi, je n'ai pas aucun intérêt à te faire une entente de service qui va durer 3, 6, 9, 12 mois, puis te prendre ton argent là, juste pour le plaisir de dire. Donc, tu veux rendre les gens, les entrepreneurs, les gens d'affaires autonomes. Autonome le plus rapidement possible. Parce que je sais que dans mon milieu, il y a beaucoup, beaucoup de gens, surtout dans le marché montréalais, aux États-Unis, ils ont déjà compris ça. Donc, le système du à la demande, nous, on favorise ça beaucoup. C'est sûr qu'au début, on va être là plus à temps plein. Mais au fur et à mesure, contrairement à beaucoup de nos collègues qui, eux, veulent des contrats de 12 mois, puis ils restent là à temps plein, mais c'est pas vrai. Parce que ton coaching va avoir beaucoup plus de valeur si tu sais que tu vas avoir juste un de mes coachs, parce que je suis pas tout seul, qui va être là avec toi pour te former ou te donner de l'information, pour répondre à un besoin qui est là. Puis le reste, on veut te regarder aller. Puis après ça, oui, tu peux nous rappeler si tu as besoin d'une aide extérieure pour te faire un peu une rétrospective ou te faire brasser sur comment que ça va maintenant. Mais on veut vraiment que les gens
apprennent, puis que ce soit à eux, que ça leur appartienne à eux aussi. Donc, tu y vas avec la demande des gens aussi, et avec aussi, c'est vraiment du cas par cas pour toi, puis tu es quelqu'un aussi qui est beaucoup connecté à ton cœur, aux bonnes vibrations, aux bonnes énergies, et tu es capable de comprendre et d'aligner les gens vers le mieux pour eux, si on peut dire? Oui, c'est sûr que ça nécessite, quand on dit « tailoring », c'est-à-dire on est beaucoup plus à l'écoute en général que les autres. Donc, le fait, puis c'est bon que tu parles de l'aspect personnel parce que qui on est va aussi définir comment on va livrer cette valeur-là aux autres. Parce que moi, j'appelle ça de la livraison de valeur. On propose la valeur. En fait, on ne fait rien. Ou à Gilles-Land, mes coachs chez moi, on ne fait rien. On vous propose des trucs à essayer et à voir si ça fonctionne. Mais on le fait avec expérience. Mais on ne connaît peut-être pas tout ton contexte de ton entreprise que tu pourrais vouloir créer. Fait qu'on va t'accompagner plus que t'enligner. Tu as pris le mot enligner tantôt? On ne sait pas. Parce que nous, on veut voir, on peut t'aider à créer ta vision, mais on s'attend que tu saches pourquoi tu pars ton entreprise. Il faut que tu l'aies, là. Un entrepreneur, c'est tout un risque qu'il prend dans sa vie, surtout s'il y a une famille et tout ça. Fait que nous, il faut qu'il soit prêt à faire les concessions aussi, là, parce que devenir entrepreneur, c'est quand même beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup de risques, beaucoup de nuits blanches. Beaucoup d'énergie, cherche. Beaucoup d'énergie, effectivement, mais ça va tout ensemble. Puis tu sais, j'aime pas quand beaucoup de mes collègues vont dire « Ah, la liberté, ça a un prix ». Non, c'est pas la liberté qui a un prix. En fait, parce que là, si tu vois ça comme un prix, ce que tu es en train de faire pour être libre, parce qu'être entrepreneur, c'est d'être libre, c'est son propre patron, parce que tes patrons, ça devient tes clients. Hein, que tu sois un free. Quand je dis entrepreneur, ça peut être un freelancer. Hein. Tous les gens qui travaillent pour d'autres à un, là, les pigistes, c'est aussi les artistes. Il y a beaucoup d'artistes, des musiciens, hein, comme notre ami Dan Pinto. C'est des entrepreneurs, les artistes, mais ils ne savent pas. Mais ils sont toujours, ils n'ont pas de patron en tant que tel. Le patron, c'est les clients, c'est les gens qu'ils embauchent. Mais cette relation-là que tu bâtis est beaucoup mieux que dans un job 9-5. En tout cas, là, je parle pour moi, c'est ma perspective. Je ne veux pas dire que les gens qui font du 9-5, c'est leur affaire. Mais moi, je vais dans le même sens que toi pour avoir fait du 9-5 ou du 8-4. Puis aujourd'hui, je crée mon horaire. J'ai une liberté qui vaut beaucoup, beaucoup plus que l'argent que je gagnais auparavant. J'ai moins d'argent, mais plus de liberté, plus de temps pour moi. Puis ça vaut de l'argent. Exact. Mais voilà, c'est comme me disait un de mes premiers patrons quand j'étais jeune, puis je livrais des commandes d'épicerie dans une petite boucherie de quartier. Et lui, il me disait tout le temps, quand t'as le temps, t'as pas d'argent. Puis quand t'as de l'argent, t'as pas le temps. Fait que je pense que la façon que nous, en tout cas, vous parlez pour moi, qu'on essaie de développer nos entreprises, c'est que moi, je voulais pas non plus, j'ai jamais été un espèce de... Je suis très dynamique comme ça, là, mais j'ai jamais été au détriment de laisser tomber ma famille ou mes amis parce qu'il y avait du workaholic. Tu sais, le fameux entrepreneur qu'il faut qu'il passe tout son temps à créer son idée. Oui, on a des moments comme ça, mais si ça dure tout le temps comme ça, puis que tu as bien de l'argent, puis tu fais des sept figures, tu sais, tous les motivateurs, tu sais, qu'on voit, mais que tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps pour ton amoureux, ton amoureuse, ta mère, tes parents, tes enfants, ça vaut quoi? Tu n'as pas de liberté, là. Non, parce que l'équilibre n'est pas là. Parce qu'une vie idéale, quand tu crées ton entreprise, puis que tu as une vie de famille, il faut qu'il y ait un équilibre du temps dans chacun des départements, si on peut appeler ça des départements, la vie de famille, de couple et tout. Ça prend un équilibre dans la vie. Et toi, Agile Lounge, vous travaillez en ce sens pour que les gens trouvent l'équilibre dans leur vie. Parce qu'on fait beaucoup plus que des processus d'affaires, on fait beaucoup plus que de les aider administrativement. Je vous le dis, là, c'est A à Z, on touche à tout. On t'aide à obtenir ta culture de marque, au niveau de ce qu'on voit, mais aussi tout le bac en arrière, comment justement tu vas amener ces équilibres-là. Puis si c'est juste un entrepreneur, bien, on a tout un programme, un processus qu'on appelle le Freedom Lifestyle Program, justement, le FLIP. Alors, lui, il va amener les gens vraiment à se questionner. Puis des fois, on leur dit, nous, on ne veut pas t'aider parce qu'on pense que tu n'es pas prête ou on pense que tu ne seras pas capable d'assumer ça dans ton contexte à toi. Alors, on donne des exercices à faire pour que les gens retrouvent leurs valeurs. Ça part toujours des valeurs. Hein? C'est le cercle d'or. Pourquoi, comment et quoi. Et les quoi, là, ça devient ta liste de valeurs, toutes les actions que tu vas poser. Parce que le rêve, qui est ton pourquoi. Pourquoi je fais ça? Ou pourquoi je suis ici? Puis pourquoi, tu sais? Fait que là, après ça, ben là, tu
tu tentes de répondre à ça. Puis là, tu dis, OK, maintenant que j'ai répondu à ça, comment je vais faire ça? Tu aides à trouver les outils pour la réalisation des rêves de chacun. Exact. Puis si c'est une entreprise déjà établie, ben ils veulent juste améliorer leur flot de travail. C'est ce qu'on rentre dans le flot à ce moment-là, puis leur montrer des meilleures façons de faire, comme le manifeste nous invitait à le faire, qu'on a fait ces 17 ingénieurs et consultants qui s'étaient rencontrés en 2001. Puis, ça partait avec Jill Lund, chez vous autres qui avez vu? Non, c'est pas moi. Écoute, moi, je suis un enfant de ça. Et un de mes mentors faisait partie de ces 17 personnes-là qui ont créé ce manifeste-là. C'était des gens qui s'estinaient. Ils se faisaient la guerre de processus. Ils se faisaient la guerre de ma méthode est meilleure que la tienne. Puis là, ils ont décidé d'arrêter de s'assiner puis de dire, écoute, je pense qu'il faut vraiment, on veut transformer le monde du travail, on veut transformer le monde des affaires, parce que c'était ça à ce moment-là. Puis il faudrait qu'on s'entende ensemble pour qu'on... Faire équipe. Faire équipe. Et là, ils ont sorti 4 valeurs, 12 principes, puis ils ont élaboré des techniques de base. Et c'était une mise en commun de tout ce qu'ils faisaient chacun dans leur coin. Et là, ensuite, comme moi, je disais qu'un très bon coach en agilité d'affaires, c'est un coach qui comprend cette essence-là puis qui l'applique par la pratique et non pas parce qu'il l'a lu dans un livre. Et ouais, parce que toi, tu l'as appris aussi sur le terrain, si on peut dire, tout ce que tu sais, ton bagage et tout. Oui, et c'est pour ça que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, quand j'ai vu que ces gars-là existaient, en 2001, c'est moi, j'ai peut-être commencé à faire ça avec les ingénieurs, je te parlais tantôt, fin 99-2000, quand on transformait l'Internet. L'Internet se transformait à ce moment-là de site statique. Je ne veux pas être trop technique, mais c'était ça. Là. On passait d'un site vitrine là, où on se promenait, hein, HTML, des affaires. Tu sais, on visite, puis là, on le mettait transactionnel, où ce que tu es capable d'acheter en ligne. Là, aujourd'hui, ça a l'air niaiseux en 2021, mais 99-2000, non. Fait que là, ça ne marchera pas. On ne livrera pas si on fait du projet normal, alors que c'est un produit qu'on offre. Faire de la gestion de projet, là. Puis je respecte les gestionnaires de projet. Là. Je comprends qu'il peut y avoir des moments où tu es en projet. Mais là, lorsqu'on veut être le premier sur le marché, lorsqu'on veut être complètement innovateur, qu'on veut disrupter le marché, qu'on veut peut-être amener quelque chose de nouveau, on n'attend pas que ce soit parfait, 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 comme dans la gestion de projet classique. Là, on a besoin de la gestion de projet agile, qui, elle, c'est itératif, c'est incrémental. C'est incrémental, hein? On fait bouger les choses. Justement, c'est ça qu'on veut faire bouger parce que les gens vont toujours vouloir attendre. Hein, le fameux. Mais non, ben, pendant que tu attends, je peux te donner un exemple sans faire de publicité, mais c'est un exemple qui est vraiment réel, que j'utilise dans mes formations. C'est la différence entre Ming Zhang Xing de Samsung et Steve Jobs d'Apple. Les téléphones qu'on utilise aujourd'hui, qu'ils soient Android ou iPhone, ben pourquoi l'iPhone est le plus peut-être populaire encore, le plus. Ça a été les premiers, le Real McCoy, hein, le premier qui arrive, c'est lui qui disrupte, c'est lui qui transforme le marché. Mais aussi, il y avait une bonne publicité, j'imagine, Apple, non? Ben oui, c'est sûr que la marque était déjà là, mais c'est une marque qui faisait des ordinateurs. Samsung, il était déjà dans tout. Il faisait déjà des téléphones flip-flop. Alors, qui était le premier à sortir qui avait un microprocesseur dedans qui te permettait d'aller sur Internet, autre que les flip-flops qu'on avait avant, les plus vieux, on savait. C'est iPhone, le premier touchscreen, c'est iPhone. Donc, c'est le premier, mais ils n'ont pas sorti ce qu'ils voulaient. Ils ont sorti le premier. Et non pas ce qu'ils voulaient. C'était pas ils ont sorti ce qu'ils pouvaient? Oui et non, mais oui, parce qu'on appelle ça en anglais un MVP, qui est le Most Valuable Product. Valuable. Il y a de la valeur dedans, mais c'est pas ce qu'on veut. Alors que les gestionnaires de projets classiques des années 80 et 90, qui est ce qui a donné le mouvement agile, c'est-à-dire le mouvement agile a dit non, arrêtez, là. Vous ne serez jamais capable d'innover. Hein? C'est pas une affaire d'être le premier avec l'ego, là. C'est une affaire d'être voyons, d'avoir l'innovation, de créer quelque chose, d'avoir une valeur, une bonne expérience pour les gens. Donc, c'est le mode classique, il te fait manquer des bateaux. Il y a 9 projets sur 10. Qui fail en mode classique, j'appelle ça le mode classique, alors que quand tu le fais avec la vision agile, avec les techniques agiles, ça descend à 5 sur 10. Ouais, c'est pas parfait ça non plus, mais 5, tu en as au moins déjà 5 sur 10. Il y a une belle amélioration. Ouais, beaucoup. Puis même que je te dirais que des entreprises là, qui le soignent beaucoup, là, on pourrait en nommer d'autres, mais encore une fois, je ne vais pas faire un infopub ici, mais il y a plein d'exemples. Là. Donc, vous êtes vraiment une solution pour aider des entreprises et start-up à s'améliorer, à grandir et à se partir. On est un sparker, on est l'allumeur,
On les allume. On n'est pas la solution. Parce qu'être la solution, ça veut dire qu'on en aurait beaucoup sur nos épaules. La solution, c'est les gens avec qui on travaille. C'est les gens qui veulent être accompagnés par nous. C'est eux qui ont la solution. Nous, on fait juste les sparker, les allumer, à trouver la solution. Puis il y en a qui sont frustrés de ça, des fois. Ils me disent, quand on fait les rétrospectives, « Ouais, mais vous n'avez rien fait d'autre que nous parler, puis nous faire voir des choses, puis nous faire nous parler. » Ça, c'est plus drôle. On les fait se parler entre elles, entre eux, pour qu'ils découvrent eux-mêmes justement les solutions qu'ils ont besoin. Parce qu'on va être honnête, là, pensez-vous que moi, à un moment donné, j'avais 20 à 25 clients, juste moi, mes 5 autres coachs, on avait peut-être 150 clients par année. On peut pas, on a beau être à l'écoute, on a beau vouloir s'immerser avec eux, mais on peut pas tout connaître. C'est à eux de nous le dire. Ils nous posaient des questions des fois. Fait que, mettons, je disais, ben demandez à Cathy. C'est elle qui est bonne en audiovisuel, mettons, là. Puis en animation, puis elle a ce talent. Ben, vous l'avez dans votre équipe. Donc, travaillez avec elle, puis élaborez justement ce que vous avez besoin pour faire les meilleurs podcasts, les meilleurs vlogcasts. Trouver des idées pour améliorer le travail, genre. On identifiait les ambassadrices dans les équipes, c'est ce qu'on fait. T'sais, on les aide à faire des cartes de... C'est quoi en français? Je travaille tout le temps en anglais, ça n'a pas de bon sens. Oui, parce que lui, je pense que ta langue première, c'est français, mais ouais. Vous parliez plus anglais chez toi? Bon, on parlait... Bon, ma mère parlait 5 langues, mais on parlait... Non, c'était français, italien, espagnol, puis l'anglais dans le monde des affaires. Comme quand j'ai eu ma première entreprise d'événementiel, mon premier gros mandat, c'était à Londres. Fait que, t'sais, important. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Fait, donc, toi, Agile Launch, si on veut conclure avec ton entreprise, vous êtes vraiment une solution pour les gens qui se cherchent ou qui ont besoin d'aide. Ben, qui ben une search, non, t'aimes pas le terme se chercher, qui est des allumeurs. On va les allumer à se retrouver, puis à retrouver, tu sais, un sens. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on peut aider des entreprises de toute taille, puis le start-up. T'sais, on est là pour vraiment les accompagner, pour leur faciliter. C'est ça qu'on fait. On fait, ça c'est l'espèce de... Ouais, on facilite, on peut faire de la formation, on va coacher, qui a là beaucoup l'aspect accompagnement. Et puis, il y a le support, on va te faire du support dans des trucs un peu plus techniques à ce moment-là. Justement, avec le Bitcoin, vous êtes un facilitateur pour les gens qui veulent avoir de l'information, qui veulent comprendre vraiment c'est quoi les Bitcoins. Vous avez un questionnaire que vous faites remplir aux gens. Vous avez même un coaching de 30 minutes gratuitement. Vous avez des jeux. Ben, ce matin, on a eu un accompagnement ensemble avec une amie, puis je trouve ça vraiment intéressant. Dans le sens que c'est professionnel, puis tu travailles pas comme un peu dans le vide. Tu veux avoir vraiment tu veux savoir les vraies choses pour pouvoir aider les gens du mieux que tu peux. Exactement. Puis quand tu adoptes cette mentalité-là, parce que agile, dans le fond, c'est plus une mentalité qu'une méthode. Et cette mentalité-là te fait quoi? Tu veux être ouvert, tu mets les personnes en premier avant toute chose. Fait que moi, quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, si on parle de la crypto, ah, je veux acheter des bitcoins. OK, ben, attends. Toi, là, c'est quoi? Toi, Cathy. C'est quoi ta raison? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi maintenant? Puis, qu'est-ce que tu en connais pour être capable qu'on va te donner un bon starter? Puis tout ça. Puis oui. Fait que, puis on le fera pas pour toi. C'est toi qui vas découvrir ton wallet qui est approprié à toi avec le questionnaire comptable qui t'accompagne. C'est ça que je dis. On veut pas le faire parce qu'on veut que tu sois indépendante. On veut que tu sois autonome. Ouais. Et puis, le mouvement agile, ben, c'est un peu ça qu'il fait. Il dit tout le temps aux gens, ben écoute, oui, on a plusieurs idées, mais la valeur, c'est, comme on disait tantôt, c'est l'interaction entre les gens au-delà des processus et des outils. Donc, moi, je pourrais avoir plein de processus, plein d'outils. Si on parle de la crypto, ça peut être les wallets, la VPN, tout ça. Mais pourquoi je t'imposerais ceux qui ont peut-être marché pour Jacques, alors que William, lui, il dit non, moi, ça n'a pas marché celle-là. Mais là, William est plus proche de ta réalité. Mais là, même là, je veux pas. Je veux que Cathy trouve avec mon questionnaire qu'est-ce qui va être bon pour elle, puis sur quel autre outil que tu vas l'utiliser, ton téléphone, ton ordinateur. Fait que c'est tout ça qui va faire que ton expérience va être meilleure. Puis, on veut, dans le mouvement agile, il y a quelque chose qu'on fait aussi. C'est qu'on appelle ça le VUCA en anglais, mais je vais te le dire en français. Oui, s'il te plaît. Le VUCA, c'est, le V, c'est la volatilité. Tout est volatile. Le U en anglais, on va le traduire en français par incertitude. Et le C, c'est la complexité. Et le A, c'est l'ambiguïté. Mais nous, on dit, attention, ça, c'est un monde qui est tout le temps de même. Puis quand il est de même, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Et nous, les gens, les agilistes, allumeurs, on dit, mais non, nous, on a un autre VUCA pour toi. La vision, on transforme la volatilité en une vision. Le U, en français, ça serait se comprendre, mais on comprend que c'est understanding.
Et le C, on transforme la complexité en créativité, et en clarté, et en communication. Et le A, évidemment, l'ambiguïté, on va le transformer en agilité, en adaptabilité constante. Et de cette façon-là, Mais gusta. mais gusta, mais c'est ça. Fait que c'est une des raisons d'être de ce mouvement-là. Hein, de se dire, vous dites tout le temps, ah, ça n'a pas fonctionné mon entreprise, ça n'a pas fonctionné mon projet, ah, mon rêve n'était pas si bon que ça. Oh, attention, attention. Est-ce que tu t'es laissé distraire par le mauvais VUCA de l'ombre, alors que nous, on te propose le VUCA pro? Hein? T'as-tu une vision claire? Es-tu capable de t'entendre et de bien interagir avec les gens que tu as besoin pour le faire? On a-tu des gens créatifs, les gens capables? Le C, moi, je l'aime, on peut faire ce qu'on veut avec créatif, communication, capable. Parce que si tu n'as pas de gens capables avec toi, si tu n'as pas un advisory board qui te supporte, qui te conseille bien, qui donne, tu ne réussiras pas. Ça prend tous ces éléments. Savoir bien s'entourer, trouver les bonnes personnes qui vont t'accompagner dans ton projet, dans la réalisation de tes rêves. Et vous êtes là pour ça. Oui. À quel âge t'avais quand t'as fait tes premières crêpes ou ta première omelette? Oh, j'étais jeune, je devais avoir 10 ans, je crois. Puis comment que c'était, ton expérience? Ah oui? Imagine, je cuisinais à 14 ans pour 10, 12 personnes. Et quand mon frère aîné, il s'est marié, il disait à sa femme, oh, c'est pas comme Cathy, c'est pas comme Cathy. Puis elle, je pense qu'elle m'en a voulu, elle m'en veut encore. Excellent. Ben écoute, t'avais 10 ans, puis t'as réussi tout de suite tes premières crêpes, ta première omelette. Ben, c'est parce que j'ai regardé faire les gens qui connaissaient la recette. Et voilà. Mais nous, c'est ce qu'on vous offre, c'est ce qu'on vous invite. Mais moi, j'étais moins bon que toi. J'avais 8 ans, puis j'ai cassé une demi-douzaine d'œufs avant de pouvoir. Ma mère, c'est une pro. Bon, je pense que oui aussi, là. Elle me regarde d'en haut. Hein. Mais je sais pas. Non, c'est moi qui. Moi, j'ai peut-être pas été aussi smart que toi. Dans ce temps-là, j'ai pas écouté comme il faut. Mais aujourd'hui, j'ai J'avais ce amélioré. talent, j'avais ce talent. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On va faire beaucoup d'observations. On va regarder combien d'œufs qui cassent. Puis on va leur montrer à arrêter d'économiser ça, même s'ils font du compost. Là. Mais ici, ils n'en font pas. Ah, mais oui, à Cancun, en tout cas, on en fait. C'est ben, ouais, oui, hein. Ben, une ville d'un million d'habitants, ils sont un petit peu plus éco-friendly là, que Playa del Carmen, ça j'avoue. Mais Playa, ils font de l'effort. Pour marquer, ça ressemble à Montréal, les bicycles. Ils ont quand même des. Oui, mais je parle au niveau des déchets. La Ah. récupération, ils jettent tout. Mais tu sais, à Montréal, t'as vu le journaliste qui avait suivi le camion. 70% du recyclage allait à la même place que les déchets. Fait que. Tu sais, j'ai toujours dit que les peuples du Nord-Ouest sont dans le paraître, puis les peuples du Sud-Est sont dans l'être. Alors ici, peut-être ça paraît pas, mais moi je peux te dire que les communautés mayas avec lesquelles je travaille, ils en récupèrent bien plus que nous autres. C'est. Sont dans la nature et ils vivent avec la nature, ils communient avec la nature. Donc, moi, ce que j'aimerais que tu partages aussi avec les gens, tu as vraiment une belle connexion aussi avec des êtres de lumière, mais avec les Mayas ici, tu as vécu des belles expériences, hein? Oui, beaucoup. Là, je suis un peu distrait par le bruit de la Thaïlande au Mexique, comme on dit. Mais tu me dis qu'on l'entendra pas, fait que les gens ils vont dire. Mais bon, moi, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu Parce veux? qu'il vient d'avoir une ambulance qui a passé. Ben oui, au moment où on parlait des êtres de lumière, fait que ça vient de me chercher. Parce qu'on est sur la 30e avenue, c'est une rue très Oui. passante ici à Playa del Carmen. Beaucoup de commerce, beaucoup de circulation. Donc, pardonnez-nous, c'est pas nous qui le font. Comme on voit ici, c'est un bel environnement chez mon ami Carla. Moi, j'aime ça. En tout cas, c'est une mini-jungle à l'intérieur. C'est comme, contrairement aux deux gros boulevards qu'on a de chaque côté, là. C'est comme ça. Donc, si on continue avec les Mayas, toi, tu as eu des belles expériences avec les Mayas? Ben oui, écoute, ayant pratiquement comme grandi, ben, c'est plus dans l'état du Chiapas, fait que c'est pas que des Mayas, mais je me suis fait ami assez rapidement avec des gens d'ici. J'ai grandi avec eux. Fait que moi, ils m'invitaient. Puis tard, tiens, il y a une fête là, qui se fait un peu. Religio-spirituel, fait que bon, j'ai fait des témascales, j'étais quoi, pré-ado. Puis là, des témascales, on l'expliquera pas, mais c'est un peu un genre de. Ben, si on résume rapidement, parce qu'on n'a pas non plus. C'est un genre de sweat lodge où tu vas nettoyer tes trois corps. Hein. Moi, c'est comme ça qu'on m'a introduit. Là, tu nettoies tes trois corps, c'est-à-dire ton corps physique, ton mental, puis ton spirituel. Fait que tu sais, moi, puis bon, avec la mère que j'avais, c'est sûr que. Tu sais, dans l'ouverture, je parlais tantôt, tout était possible. Fait que, puis le flow, tu sais. Si tu te fais offrir quelque chose, c'est oui ou c'est non.
Est-ce que tu es ouvert à suivre ton flow? Fait que moi, j'ai toujours été, ben oui. Tu sais, un peu comme toi, j'ai trouvé tellement belle depuis qu'on s'est vu depuis 2 jours. Tu te dis, ah, ça se peut, j'aille au Pérou. Ah oui, mais je vais y aller. Puis là, il y a ton ami qui dit, ah, je m'en vais faire un truc à Mérida. Ah oui, je vais y aller. Ben, c'est un peu comme ça que j'y étais. Fait que j'ai embarqué là-dedans, puis je me suis lié d'amitié, de relations. Puis j'ai un H-man qui m'a appris des choses, que je consultais quand j'avais besoin, que je voulais voir des choses. Puis la cosmogénie Maya est super intéressante. Moi, elle me parlait beaucoup. Moi Puis aussi, ça me parle beaucoup. je réalisais, parce que même au Québec, j'étais beaucoup proche, surtout des Abénakis, pour ceux qui connaissent les nations, moi je les appelle par leur nom. C'est une tribu indienne au Québec? C'est pas une tribu, c'est une communauté, ouais, qui est encore là. Ils sont encore assez. Je vous dirais que c'est pas mal dans le nord, là, de Chibougamau jusqu'à un peu cette île. Après, tu as les Montagnais, tout ça. Les Abénakis m'ont beaucoup appris. Puis dans ma famille, du côté de ma mère, c'était des Hurons-Wanda. Fait qu'il y avait tout le temps cette spiritualité-là qui était au-delà de ce qu'on apprend hein, comme nord-américain ou occidental. Puis moi, j'étais curieux, fait que j'élaborais là-dessus. Mais l'idée, c'est que ce que les Mayas m'ont transmis, c'est la notion du temps et de l'espace qui n'existe à proprement dit pas. Et ça, je l'ai confirmé en étudiant en astrophysique, parce que j'ai fait ça, entre autres, comme exploration, j'ai fait des études en physique et ensuite en astrophysique, parce que moi, je voulais devenir un cosmologue, je voulais devenir un Hubert Reeves. Ça, je laisse pousser ma barbe, mais bon, j'ai lâché, j'étais un drop-out parce que j'étais entrepreneur en même temps, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que la spiritualité, pour moi, ça a toujours été, depuis tout le temps, avec une famille un peu ésotérique, un peu occultiste. Puis tu sais, occultiste, c'est juste des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont là. Mais d'un autre côté, pour toi, je trouve que c'est bon. Puis en plus d'avoir commencé à aller vers ce chemin-là à l'âge de 13 ans, ça t'apprend plusieurs outils que d'autres enfants qui vont pas vers la spiritualité, on dirait, mais moi, je pense que ça te fait plus comprendre l'univers, comprendre la vie, puis te comprendre toi-même, te découvrir, et te permet plus d'aller de l'avant. Oui, ben, je sais pas si c'est aller de l'avant ou parce que moi je vois ça tellement comme tu sais la fameuse fleur de vie là, que tous les cercles s'interlaxent, fait que dans quelle direction tu vas? Comme la première chose que les Mayas me disent, c'est comme ben non, le temps en tant que tel, puis là tu vas dire attends, ils ont 32, 34 calendriers. Oui, justement, ils expérimentaient, ils essaient de comprendre leur mouvement dans l'espace. Ils expliquent ça comme un mouvement dans l'espace. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que quand tu atteins un certain moment, ben, tu es dans une espèce d'espace que là, le temps est vraiment comme. C'est plus des échanges dimensionnels. Fait que, là, ils ont vraiment quelque chose qui est magnifique, qui est connecté, là. Donc, on parlait d'apprendre soi, tu vas connaître l'univers. Quand tu es rendu là, tu es bien, là tu es content, là. Tu peux avoir le vertige, mais c'est correct. Mais là, parce que là, après ça, tu te rends compte que là, waouh, là, je me connais, puis là, je connais l'univers. Puis là, je me rends compte que c'est un peu comme Alan Watts. Moi, Alan Watts, ça, je l'adore. Tu connais. Je ne le connais pas. Tu vas faire des recherches, c'est un monsieur, puis il parle, il a une belle voix en plus. Fait qu'il y a plein d'audios que tu peux trouver sur YouTube, là. Puis il y en a une qui dit, j'essaie de vous le traduire comme il faut en français, c'est que notre existence, la vie, c'est un happening. Je m'excuse, j'arrive pas. Un happening, c'est un. Ah non, non, un happening. Happening, Une fête, oui, un événement. Un événement. C'est un événement parce qu'il dit, à quelque part, notre intérieur. Ce qu'on pense être notre intérieur, il dit ça de même. Ce qu'on pense être notre intérieur et ce qu'on pense être notre extérieur, they come together, ils se rejoignent. Puis je vous fais même le Yin Lakesh Maya en signe des mains. Ils se rejoignent. Ouais. On peut le faire ensemble. Attends, non, non, ben, il faudrait le faire comme ça. Puis c'est encore le yin-yang, c'est encore la spirale. Ouais, c'est le Yin Lakesh qui veut dire je suis un autre toi. Et toi, tu réponds à Alaken, je suis toi. À laquelle je suis toi. C'est ça. Non, mais c'est parce que normalement, je te dis in la cache. Et là, toi, tu réponds à laquelle. Parce que tu reconnais que j'ai reconnu que tu étais un autre moi. Ça fait partie de la spiritualité mayane que tu as. Ouais, exactement. Ils t'apprennent à vivre dans cette harmonie-là. Parce que les Mayas, c'est faux. C'était pas des guerriers, oui. Il y en avait des guerriers, c'est clair. Mais c'est pas les Aztèques. Comme dans plusieurs communautés ou tribus. N'oublions pas que autant les Incas, plus en Amérique du Sud, que les Mayas, c'était des civilisations. Les Aztèques, les Maoris, eux étaient des empires. Qui dit empire, dit guerrier, dit agressif, dit conquête. Alors que la civilisation Maya, elle n'a jamais conquis personne. Les gens adhéraient à leurs valeurs, à leur cosmogénie, puis ils adhéraient, puis les Incas, c'était pareil. Les Incas, ils t'apportaient.
C'est drôle parce que là, j'ai les deux symboles avec moi. J'ai le symbole Maya, j'ai le symbole Inca. Je vous parle de ça. C'est comme c'est toujours avec moi, toujours près de mon cœur. Ça fait comme un soleil. Ça fait comme un soleil. C'est le Inti. C'est un soleil. C'est le soleil. C'est beau, hein? Oui, qui s'appelle le Inti. Les Mayas l'appellent le Kin. Parce que toi, tu as commencé à comprendre ou à vivre ta spiritualité très jeune, mais tu as voyagé dans plusieurs pays aussi, comme le Pérou, tu en parlais, la Colombie, le Brésil. Non, pas le Brésil. Pas le Brésil? J'ai peut-être touché, mais je suis pas allé. Mais j'ai tout fait, en fait, là, c'est les pays qu'on a maintenant, mais j'ai fait la nation Guarani qui touche le nord de l'Argentine, le sud-est, toute Bolivie, tout ça, ce coin-là, je suis allé quelques fois. Souvent. Je suis allé en Colombie, en Équateur, toute l'Amérique centrale, sauf Panama, au complet. Puis ici, ben, j'ai une histoire maintenant de 32 ans, 34 ans, c'est quand même facile. Mais quand je dis ici, c'est la péninsule, là. Je parle pas juste de Playa del Carmen. Là. Playa del Carmen, c'est un beau pied à terre pour avoir du fun puis rencontrer des belles amies. Moi, j'appelle ça des amies. Je sais pas si on entend l'intonation. Am-i. Am-mi. Oui, parce qu'on se reconnaît. Ouais. Dans la ligne de la Quiche. C'est beau, hein? C'est ça, à travers tes nombreux voyages, tu as vécu des belles expériences spirituelles qui fait en sorte que tu es une personne bien ancrée aussi sur Terre. Non, tu as encore du chemin à faire? Ah oui, je connais rien. Je connais rien, ma chère. J'ai trouvé ça gentil quand tu as fait un petit clin d'œil tantôt, ou un, je ne sais pas si c'est une petite publicité pour annoncer l'entrevue, mais tu disais que j'apprends beaucoup avec lui. Ben, je te remercie. Mais moi aussi, j'apprends beaucoup avec toi, avec ton ami que j'ai rencontré ce matin. Parce que, en réalité, tu sais, de la cour. Naissance, est-ce qu'on peut collaborer à renaître la renaissance? C'est pour ça que je préfère la renaissance à la résistance. Puis, c'est une autre chose que les Mayas m'ont appris. Si tu résistes, là, les palmiers, là, on n'en a pas dans la cour ici, mais tu sais, un palmier, il ne résiste pas, lui. Quelqu'un nous... Il se laisse porter par le vent, mais les arbres aussi. Exact. Ouais, mais il y a des arbres qui résistent. Puis, c'est pas leur faute, c'est comme ça qu'ils sont faits. Bien, ils cassent. Fait que moi, quand je vois nos frères et sœurs, là, quelque part, je suis content là, qu'ils fassent des marches. Puis il faut dire qu'on est là, puis il faut dire qu'on n'est pas content, puis qu'on n'est pas contente. Mais cette énergie-là s'était mise dans la co-création d'une renaissance, de l'organisation de communautés viables, physiques, qui s'apprennent l'un l'autre. Hein? Peut-être que toi, moi, je pourrais t'apprendre à pêcher, puis à nettoyer le poisson, puis toi, tu m'apprendrais à faire un maraîcher. Mais non, je pourrais faire le contraire, moi. Je pourrais t'apprendre. À pêcher, à mettre le verre à l'hameçon, à le nettoyer et à le faire cuire, mais le reste, je connais pas. Hey, tu me donnes envie qu'on aille manger des pescadillas après. Des bons, vrais pescadillas. Parce que moi, j'ai pas grandi, genre, au Mexique avec les Mayas, mais on a toujours eu des chalets de chasse et pêche. Je n'étais pas une chasseuse, mais une pêcheuse. Oui, c'est une chasseuse d'inspirant et d'inspirante. Oui, de personnes inspirantes. Je préfère ça que de tuer les animaux. Moi, c'est la végétarienne en moi, là. J'ai déjà mangé de la viande, mais c'était comme jamais avec amour. Mais je pense pas qu'on mange un autre être avec amour. Puis tu sais, moi, je suis encore omnivore, puis je le sais, puis je suis conscient de ça. Quand j'ai appris à chasser plus avec les Abénaki au Québec, moi, pendant longtemps, là, toute la viande que je mangeais, c'est ma famille qui l'avait capturée avec les Amérindiens. Puis c'est peut-être à partir quand j'ai commencé à travailler en Europe, où là j'étais moins dans ces cycles-là, parce qu'il y a des saisons de chasse. Alors là, je mangeais, comme instinctivement, je voulais pas manger de viande. Je suis jamais allé dans un McDo, moi, vraiment. Jamais. Tu manques rien. Non, j'imagine. Fait que, tu sais, je pense, en tout cas, pas rentrer dans... Mais l'alimentation, c'était toujours bizarre avec moi. C'est des fois, en voyage, quand tu voyages, des fois, comme t'as un peu pas le choix de... T'as bien beau avoir une diète précise. En tout cas, si t'as des allergies, tu peux être malheureux en voyage, là, parce que surtout la langue, hein, le facteur de langue, faut faire vraiment attention. Si t'avais des allergies, mais ça pourrait être un autre sujet. Hein. Oui. Et puis pourquoi que... Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais une misère en voyage. Je trouve toujours quelque chose à me mettre sous la dent. Mais si on veut en revenir à ce que tu disais avant, parce qu'on a un peu sauté de coq à l'âne, je vais t'arrêter. Tu parlais comme si les gens se mettaient en équipe pour reconstruire quelque chose de nouveau, de mieux, oui. Plutôt que de rester assis sans rien faire ou d'essayer de retrouver ses droits. C'est comme j'ai dit, c'est le fun de marcher. J'ai marché beaucoup, moi. Hein, la crise étudiante, là, je pense que j'ai fait 33 marches de nuit.
qui faisait, là, tu te souviens, qui faisait ça. Puis pourtant, je n'étais plus étudiant. Je me disais, ben ouais, pourquoi moi, je n'ai pas payé cher? Les autres aussi devraient, en tout cas. Tu sais, j'y allais comme ça. Mais quand je parlais avec ces gens-là, j'essayais de voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, tu sais, pour. Quel conseil en tant que coach Agile Launch tu pourrais donner à tous ces Québécois, ces Canadiens qui n'osent, qui se lèvent pas ou qu'en partie ne se Déjà, lèvent si tu pas? ne te lèves pas, levez-vous, prenez une marche, allez respirer dehors, vous avez le droit. Enlevez vos masques. Oui, ben enlevez vos masques, ça je l'aime celle-là. Parce que ça aussi c'est une initiation. On nous fait mettre des masques pour se protéger de quelque chose qui n'est pas à se protéger, parce que dans le fond on se protège de nous-mêmes. On se protège d'une société qui était malade, normale. Alors que là, on a l'occasion de faire une société norme bien, autogérée, décentralisée, dans le respect mutuel, ensemble et différent. C'est ma devise. J'avais trouvé au comité étudiant en secondaire 4. J'avais dit, on est ensemble et différent. Moi, j'ai grandi à Montréal aussi. Hein, ici, Montréal, Val-David. Puis à Montréal, ben, c'était très multiethnique où je vivais, moi, là, dans le plateau ouest. Là. Pas le plateau d'aujourd'hui, guys, non, ça a changé. Là. Nous, on était, écoute, ouais, tout ça. Donc, en tant que coach Agile Lounge, on invite plutôt les gens à changer leur mindset de penser pas de normalité, mais de normal bien. De normes bien, mais surtout de se dire, si vous avez envie de quelque chose, pas du désir, mais si vous aimez faire quelque chose, si vous aimeriez être autrement, ben allez-y, parlez-en, faites équipe, puis construisez votre sens de communauté, votre, tu sais, le bon voisinage, c'est pas juste de, je sais pas, c'est sûr qu'il y a tellement de contextes, là on peut pas aller dans le détail, mais il y a tellement de contextes, mais moi je fais partie d'un mouvement mondial, en ce moment qui s'appelle, c'est encore en anglais, qu'est-ce que vous voulez? C'est la langue de l'Empire, mais ce serait le mouvement de la conscience active. Puis là-dedans, il y a une sorte de groupe, ça s'appelle. Puis d'ailleurs, au Québec, vous avez le jeu. Cherchez ça, J.E.U. ou Gis Dies. Elle se fait appeler Gis Dies, Ghislaine Langteau. Hein? Cherchez ça, parce que c'était déjà là, en milieu urbain, à Rosemont, à Ville-Mont-Royal, à Ville-la-Salle, vous pourriez rejoindre des cellules de gens qui offrent des services entre eux, entre elles. Puis toi, c'est ça l'autogestion, parce qu'on ne peut plus. C'est plus vrai qu'on peut vivre dans un monde centralisé comme ça. Il faut aller se retrouver, puis il faut reprendre notre pouvoir. Et le vrai pouvoir, il est dans l'amour. Et c'est l'amour de soi d'abord. Plus on s'aime, plus on peut aimer les autres. Et c'est avec l'amour qu'on va bâtir ces communautés, qu'on va co-créer, j'aime ça dire ça, co-créer ces communautés-là. C'est tout ça. Puis je vous dis à la fin mai, là, si tu veux, je t'enverrai un lien, si tu veux le mettre dans ta description. J'invite les gens à joindre à nous. Moi, c'est gratuit. Si vous ne pouvez pas être avec nous à Zuya au Mexique ou à Austin, Texas, moi, je vais faire ce qu'on appelle des watch parties où est-ce qu'on va diffuser l'information. Et là, j'ai reçu la nouvelle avant que tu arrives. J'étais tellement content. Puis je pensais qu'on ferait le bonheur. Puis ça m'a rendu le bonheur. C'est que Robert Kennedy Jr. va venir à notre événement. Wow! Je suis Ça très va content. être ici au Mexique? Non, il va sûrement aller à Austin, Texas, parce qu'il faut une gang à Zuya au Mexique. Zuya, c'est sur la côte ouest du Pacifique, au Guerrero. Et il va y avoir une autre gang. Il va y avoir deux gangs physiques, mais on diffuse ça. On a 200 000 membres maintenant à travers le monde. Fait que là, on va diffuser ça en ligne. Puis moi, je fais un watch party. J'ai le watch party de Montréal. Mais je t'appelle le Carmen, je le fais de Montréal. J'oublie pas d'où je viens, physiquement, sur cette terre. Magnifique. Donc, les gens peuvent se joindre à Oui, c'est tout ce. à fait gratuit. On est. Puis, c'est comment? C'est un lien. Ils vont sur le lien le jour de l'événement. Ça commence le 24 mai. Ça dure 4 jours. Il y a un programme. On montre tous ceux qui parlent. Je vous ai parlé d'une vedette là, qui va être là parce qu'on a 5 domaines de transformation sociétale et de bien vivre ensemble dans la conscience. Hein. Il y a le domaine holistique, homéopathique, la santé par soi. Fait que là, je pense que c'est là qu'ils vont intervenir, notre ami Kennedy. Pour que les gens puissent reprendre le pouvoir de leur santé, parce Notre que autonomie. notre autonomie, mais leur santé aussi, pas la laisser entre les mains du gouvernement et des médias qui ne vous font pas Ouais. croire à votre immunité, qui pensent que vous n'êtes pas capable de vous soigner par vous-même. Tiens. Exact. C'est ça. Fait que c'est tout ça. C'est dans tous les domaines. C'est tous les domaines de la vie. C'est pas juste que ce qu'on parlait un peu d'affaires ou de se créer une entreprise. On veut gérer tout. L'alimentation autonome va être pris en ligne de compte. Donc, il y a le volet santé, il y a le volet économique, il y a le volet aussi technologique, parce que la technologie, maintenant, on le voit. Hein, les plateformes qui étaient pourtant basées sur l'ouverture, l'Internet, c'était ça. L'Internet, c'était le premier élément de décentralisation au niveau technologique. Là, on est en train de le centraliser. Alors, c'est pour ça que là, il faut retourner à des façons de faire, de reprendre cette neutralité-là.
cette autonomie-là. Donc, nous, on offre l'autonomie dans tous les niveaux. Puis là, évidemment, moi, je suis assez ouvert d'esprit pour te dire, Cathy, que les gens qui ne veulent pas, c'est correct. Tu sais. Puis on les aime, puis on les embrasse, puis on les accueille. Mais empêchez-nous pas de nous le faire, par exemple. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est... Parce qu'un jour, ils vont comprendre le pourquoi que les gens se lèvent debout pour garder leur liberté et leurs droits. Mais c'est au-delà des droits et des libertés qui s'exercent. Hein. Ça ne se prend pas, ça ne se garde pas. Ça s'exerce. Et c'est ce que je leur demande, avec tout mon amour. Laissez-nous exercer ce que nous, on a envie de vivre ici comme expérience sur Terre. On n'est pas venu sur Terre pour se faire dire quoi faire, quoi penser, quoi manger. Ensemble est différent, c'est ça que ça veut dire. Puis moi, je veux vous aimer quand même, que vous faites vacciner, que vous voulez vivre dans une société dite de ville intelligente qui va vous contrôler de A à Z. Si c'est ça que vous voulez, parce que c'est comme ça que vous vous sentez, vous n'avez pas l'énergie de nous suivre à la campagne, de nous suivre dans nos autogestions, puis de... c'est correct. Moi, je vous aime, sérieusement. Mais aimez-nous aussi. Laissez-nous faire. Laissez-nous partir. Laissez-nous partir au Mexique plutôt que nous traiter de virus ambulant, comme il y en a qui m'ont écrit, dans des gens que je pensais que c'était mes amis. Puis là, ils me disent que je suis au Mexique, puis que je vais amener des bibittes au Canada. C'est terrible, mais c'est tout ça par des médias aussi qui vont créer cette séparation, cette distanciation-là entre les gens. Pour moi, c'est incroyable. Puis tu sais, moi je me dis, regroupement, le Greater Reset, le People Reset, c'est le reset des gens et non pas des corporations. Bien, on se dit, non, regarde, nous on veut vivre comme ça, il y a de la place, laissez-nous... Vous vivez dans votre ville, comme je disais tantôt, hyper technocratique, si ça vous tente, il n'y en a pas de problème. C'est ça le vivre et laisser vivre. Il me semble que nos âmes sont venues découvrir ici ça. C'est pas un one size fits all, je veux pas un monde complètement homogène, mais les inorganiques qui contrôlent notre planète, c'est ça qu'ils veulent. On est venu sur Terre pour vivre une expérience de paradis sur Terre et moi, c'est ce que je veux me créer, mon paradis, un endroit où je vais être bien, que je vais pouvoir être moi-même, créer ma vie. Et c'est ce que tu es en train de conseiller aux gens parce que Agile Launch, c'est ça, c'est de redonner le pouvoir aux gens, leur pouvoir. Bien, comme je disais tantôt, tu sais, l'agilité qui a été faite d'abord pour la technologie qui s'est amenée à tout l'ensemble du monde des affaires, là, nous, on l'amène dans cette gouvernance-là, dans ce vivre ensemble-là. C'est sûr que... C'est beau, hein? Moi, je trouve ça beau de l'écouter, là. Je trouve ça intéressant. Merci, merci. Merci. Je m'appelle Jolie, peut-être. Non, je sais. Non, je déconne. Mais je te remercie. Je te remercie du compliment. Puis je te remercie de l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. En conclusion de cette belle entrevue que nous avons fait ensemble, parce que ça fait déjà plus d'une heure, on pourrait encore en parler longtemps parce que le sujet est vaste, mais qu'est-ce que tu conseillerais vraiment aux gens en conclusion de cet entretien? Qu'est-ce que mon Dieu, je veux pas conseiller aux gens, mais c'est un peu l'appel que j'ai fait tantôt. Moi, je vous appelle à vous aimer, à aimer les autres et à accepter, tiens, ce que j'apprends moi-même encore, accepter, écouter. Soyez juste vous-même. Et si vous avez besoin d'aide, demandez à des gens qui vous entourent, qui vont vous aider à découvrir qui vous êtes. Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement belle, et votre beauté fait votre pouvoir. Puis là, je ne parle pas de beauté physique, là. J'espère qu'on a senti le B majuscule, là, hein, la beauté du cœur. Allez, découvrez ça. Prenez le temps pour vous et soyez qui vous êtes. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Amenez de l'amour et de la lumière dans votre vie. Je vous conseille pas ça, je vous suggère. Tiens. Moi, je dirais aussi d'accepter les différences, d'accepter les choix des autres sans jugement, de dire... OK, ils font ça, ça m'appartient aucunement. Moi, j'agis d'une autre façon. Puis, c'est comme ça que la vie sera juste pour tous et que le bonheur sera sur Terre. Et moi, je conclurai cette belle entrevue avec mon ami Alexandre Frédéric Joly.
tellement belle âme, jolie, dans un endroit joli à Playa del Carmen. Je vous salue, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, puis créez votre vie. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Moi, j'ai créé ma vie ici à Playa del Carmen, je suis fière de moi, je rayonne, je suis dans la gratitude à chaque jour, je remercie, je dis « Wow, merci, merci la vie, merci de rencontrer des merveilleuses personnes inspirantes comme ça, qui m'inspirent aussi à chaque jour, et j'espère qu'on vous inspire aussi, puis prenez votre pouvoir, vous y avez droit. » Là-dessus, ciao. Ciao. Merci à toi. Merci. On a fini. Bye. Ben, bravo. Ah, c'est ma vidéo? Oui. Moi, je m'attendais une photo, je faisais la pause statique. Allô, blooper. Je vais juste y dire, puis, es-tu content de ce qu'on a fait? Ben, moi, je suis très content. Puis, moi, je suis content quand on se laisse aller comme ça. Puis, c'est ça. Puis, c'est elle est une très bonne animatrice. On a suivi le flow. On a suivi le flow, mais... Elle, non, elle est hot. Moi, je trouve... J'ai écouté ses émissions de radio aussi. Puis, t'es vraiment bonne. Sur radioplaya.net. Oui. Manquez pas les émissions. Il est où, le bonheur? Il est où? Il est dans la vie que vous créez à chaque instant. Exact. C'est tout simplement ça. Okay. Bye-bye. Bon, ben, on vous dit bonjour. Soyez bien. On est illuminés par la lumière du soleil. Oui. C'est beau, hein? Le beau soleil du Yucatan, mes amis. C'est... Oui. Mucho love. Mucho love. Je crée mon amour. On est dans... Blooper! Alors, Fred est un homme de cœur et il a trouvé la chaise qui lui convient parfaitement. Ahom. Mmh. Attends, toi. I'll be shaken in the aftermath of your midlife crisis. Bitter and alone, broken to the bone. My name, my heart, my reputation. Everything is stolen, pieces of my soul. As I was free falling down through the nightmare, epiphany came like solid ground, a voice of familiar. You only know up from a long way down. And this is not a curse, this is a purge. And this is not death, this is rebirth, rebirth, rebirth. Beauty.